Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de quelque chose qui m'aide beaucoup en ce moment. On va parler de lithothérapie ou de pierres et de cristaux. On se retrouve tout de suite. Alors, en ce moment, je ressens pas mal de colère, de frustration et je suis pas mal à fleur de peau et... L'année dernière, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est lithothérapie, donc les pierres. Et du coup, je me suis dit que ça me ferait pas mal de bien de trouver des pierres qui puissent m'apaiser et me donner un peu plus de calme et de sérénité dans ma façon d'être. Et je m'étais déjà intéressée à la lithothérapie après, mais je vais vous montrer ce que j'avais avant. Donc j'ai passé une petite commande sur la boutique qui s'appelle Lirisi, ou Lirisi, je suis désolée pour la prononciation, bijoux spirituels et pierres naturelles. Je vous montre le petit flyer. Voilà. C'est un compte que j'ai trouvé via Instagram et c'est une jeune femme qui est tatoueuse à la base qui a ouvert son shop de pierres et j'ai passé une commande chez elle. Donc on reçoit la petite commande dans une enveloppe comme ça à bulles. Dedans il y avait donc le flyer de la boutique qui vous explique tous les tenants et les aboutissants. Il y avait cette magnifique carte avec... Et bien sûr, les pierres. Donc, il y avait les pierres dans ce magnifique pochon étoilé. À l'intérieur, j'ai retrouvé des pochons classiques blancs avec un petit cordon. Et à l'intérieur, il y avait... J'ai pris des pendentifs, des pierres pendentifs. Je vous remettrai le nom de chaque pierre. Mais il me semble que celle-ci est une obsidienne, je crois. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je vous remettrai correctement les noms. En fait, j'ai commandé un bijou améthyste, un howlite, une obsidienne et une agate arbre. Donc, je vais vous les montrer au fur et à mesure et je vous dirai quelle pierre et quoi. C'est quelque chose que je découvre, donc je ne suis pas très sûre de moi, mais j'avais envie de vous le partager parce que j'ai l'impression que ça me fait vraiment beaucoup de bien et que ça m'a pas mal apaisée. Alors, donc comme vous pouvez le constater, dans la petite enveloppe, vous avez des petites cartes comme ça pour vous décrire chaque pierre. Il vous parle, alors sur cette petite carte, vous avez le nom de la pierre, vous avez le chakra de cette pierre. Vous avez sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, vous avez comment les purifier et comment les recharger. Très important. Donc ça, c'est des pépites à garder très précieusement. J'ai fait tomber une feuille. Tac. Donc il y avait celle-ci. Il y avait ça, je sais ce que c'est. Je l'ai pris en pendentif. C'est un pendentif. Cœur, c'est une améthyste. C'est une pierre que l'améthyste que j'ai en plusieurs exemplaires d'ailleurs. Donc je ne sais pas si vous allez voir, ça va faire le focus, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous remettre une petite vidéo à la fin pour vous les montrer de plus près. Hop. Et dans ce magnifique pochon étoilé, emballé, j'ai pris deux pierres roulées. Voilà. Alors, celle-ci, qui est une pierre howlite, j'espère que je prononce bien. Et celle-ci, qui je crois est une agate arbre, qui est, mais alors, mais sublime. Vraiment. Alors, je repose tout ça. Et c'est tout pour ma petite commande sur cette boutique qui est vraiment super. La jeune femme qui s'en occupe est vraiment super. Je vous remettrai en barre d'infos le lien de la boutique, sa page Instagram. Franchement, super, top. Quand on reçoit la petite enveloppe avec les pierres, ça dégage une odeur extraordinaire. Vraiment, c'est juste un plaisir. Et je vous remets le petit Reels
TikTok, short, peu importe comment vous l'appelez, que j'ai tourné, sans la musique bien sûr, droit d'auteur oblige, pour les pierres, comme ça vous les verrez d'un peu plus près. Et on se retrouve pour la suite. À tout de suite. Je vais vous parler maintenant de tous les ouvrages que j'ai qui peuvent vous aider à mieux connaître les pierres et à savoir quelles pierres fonctionnent pour quel chakra et pour quelle énergie, comment elle va vous aider. Et voilà, et approfondir vos connaissances tout simplement. Alors, le premier livre que j'ai eu en matière de lithothérapie, je l'ai acheté dans un kit avec des pierres. Il s'agit du Pouvoir des pierres et des cristaux de Martine Lepoux aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et comme vous pouvez le constater, il y a des pierres. Donc la première pierre ici, c'est une rhodonite. Ici, c'est un cristal de roche. Ici, c'est une fluorine. Ici, c'est un quartz rose. Ici, c'est une amazonite. Ici, une coralline et bien sûr une améthyste. Je vous ai dit que cette pierre violette, dans les tons violets, je l'ai sous plusieurs formes. Donc, je l'ai sous forme de pendentif, comme vous l'avez vu précédemment, que je viens de commander. Je l'ai sous forme de pierre roulée et je l'ai également en bracelet que l'on m'a offert. Je vous montre ça. Voilà. Et les améthystes, ce sont les... c'est un... C'est 6 pierres, je crois, 6 ou 5 pierres, 5 violettes que je peux porter. Et donc, du coup, elles vont faire le travail qu'elles ont à faire pour moi. Donc, dedans, il y a aussi un livre explicatif sur le pouvoir des cristaux et des pierres qui va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Je vous montre, hein, c'est un livre tout fin. Donc, franchement, très très facile à lire. Et voilà. Je vais vous parler d'un autre livre qui parle de pierre et qui est plutôt sympa. Tous ces livres, je vous les ai déjà présentés d'ailleurs. On se retrouve pour le prochain livre. Alors, je tenais à vous montrer les pierres de ce petit kit d'un peu plus près. Donc ici, vous avez une rhodonite. Ici, vous avez un cristal de roche. Ici, vous avez une fluorine. C'est magnifique, en bleu. Ici, vous avez le fameux et très connu quartz rose. Ici, vous avez une amazonite. Ici, vous avez une coralline que je trouve très belle. Et ici, vous avez la fameuse améthyste que j'ai en plusieurs exemplaires. Voilà pour ce petit kit. Et je trouve que c'est un très bon kit de démarrage. Je vous laisse avec la suite. Le prochain livre dont je vais vous parler, je vous en ai déjà aussi parlé dans une vidéo sur le féminin sacré. Il s'agit du grand livre du féminin sacré aux éditions Marabout, écrit par Joséanne Sarrazin-Côté. It's a Bible. C'est une Bible. Il est vraiment super et dedans, je vous ai dit que les pierres servaient à réaligner nos chakras. Ou si je ne vous l'ai pas dit, ben je vous le dis maintenant. Et dans le chapitre « Restaurer son énergie, rééquilibrer ses 7 chakras », page 44 du livre du Grand Féminin Sacré, je vous réécris tout ça, vous allez avoir tous les chakras. Donc, ils sont au nombre de 7.
Il s'agit du chakra racine, du chakra sacré, pardon, du chakra du plexus solaire, du chakra du cœur, du chakra de la gorge, du chakra du troisième œil et du chakra couronne. Et elle va vous dire à quoi ils servent, ces chakras, comment les rééquilibrer et leurs couleurs qui vont, les couleurs, se rapporter à certaines pierres d'ailleurs. Donc voilà pour un livre sur les chakras et donc qui parle aussi un peu de lithothérapie. Mais ce n'est pas le plus complet que j'ai. On continue pour le prochain livre. Dans le livre Witch Please, qui pareil, je vous l'ai présenté, il va y avoir un chapitre, page 126, sur les cristaux et les minéraux, où elle va vous énoncer différentes pierres comme l'agate, l'aigle marine, l'albâtre, l'alexandrine, l'amazonite, l'ambre, et bien plus encore, jusqu'à la page 130, où elle vous dit ce que vont vous apporter ces pierres et ces cristaux naturels. Et à la fin, elle vous dit même les différentes formes et aspects sous lesquels vous allez pouvoir les trouver et ce que ces différentes formes et aspects vont pouvoir vous apporter, où est-ce que vous allez pouvoir les mettre, etc., etc. Sous forme de bracelet, sous forme de pierre roulée, ce que je vous ai moi montré, sous forme brute, etc., etc. Donc, je vous invite à lire ces quelques pages qui sont extrêmement importantes et apportent beaucoup. On passe au prochain livre. Et bien sûr, le petit bracelet que m'a offert une copine en cadeau pour mon anniversaire avec des améthystes. Il est magnifique. Dans le livre « L'automne, les saisons bien-être » aux éditions Améthyste, qui est donc cette magnifique pierre violette dont je vous parlais, il va y avoir un petit chapitre, quelques mots sur les cristaux de saison, donc de cette saison-ci, de l'automne. Et elle va nous dire quels sont ces cristaux. Donc il y a l'obsidienne à cajou. Voilà. Il y a la fluorite jaune, il y a la tanzanite et le quartz rose. Elle va, dans ces petits chapitres, vous dire le coup, le chakra, la purification, le rechargement. Elle va faire une description et une origine, la couleur et la disponibilité des pierres. Je vous invite à vous procurer ces petites merveilles. J'ai hâte d'avoir celui sur l'hiver parce qu'ils sont plein de bons conseils, de ressources, de bien-être. Ils sont faits pour que vous vous sentiez bien en fonction des saisons. J'adore. Voilà. Et je vous parle du dernier livre que j'ai et qui est assez complet sur le sujet, je trouve. À tout de suite. Le dernier et le plus complet que j'ai sur le sujet, il s'agit du livre « Apprenti sorcière, cristaux et énergie » de Claire Taupin aux éditions Nouvelles Énergies. Je vous les ai déjà montrés, ces petits livres, il y en a un sur les plantes et décoctions, un sur les rituels de sorcières, et là, c'est celui sur les cristaux. Je l'ai dévoré. C'est des petits livres, ils sont extrêmement complets, je vous les ai déjà montrés, ils sont magnifiques à l'intérieur. Je vous invite à vous les procurer tellement ils sont super. Et lui, il va tout vous expliquer. Il va vous expliquer les différents chakras, où se situe-t-il, le chakra couronne, le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré qui se trouve au niveau de votre bas-ventre et le chakra racine qui se trouve au niveau de vos hanches, un petit peu plus bas que vos hanches. Et il explique tout,
il est vraiment super. Et à la fin, vous avez à quoi servent les pierres les plus connues. Franchement, je l'adore. Vraiment, il m'a beaucoup appris et aidé ces derniers temps. Et je l'emmène partout avec moi dans mon sac pour vous dire à quel point je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà pour les livres qui m'ont aidé à m'y connaître un peu plus. Je suis loin de tout savoir. Il y a sûrement d'autres livres beaucoup plus pointus sur le sujet. D'ailleurs, il y en a un qui me fait beaucoup, qui m'appelle beaucoup et je pense me le procurer très prochainement. Et donc, voilà pour les livres qui m'ont aidé. Et puis, c'est tout. Je vous laisse pour la suite. Et bien voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre 2021. Donc, je souhaite à toutes mes sorcières une bonne fête de Samhain. À toutes les personnes qui fêtent Halloween et aux enfants, une bonne récolte de bonbons et un bon Halloween. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi si vous aimez les cristaux et les pierres, si vous les collectionnez, si vous saviez qu'elles peuvent réaligner vos chakras et vous faire du bien. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce que je vous propose sur cette chaîne vous plaît. Moi, je vous dis à très vite. Bye!